Bon, on est de retour. J'ai fait une pause de 3 petites minutes. Et donc, on continue quand faire Your Own World. Donc, on est normalement soit l'épisode 69, 170. Et donc, 18e partie de quand faire Your Own World sur ma chaîne. Ok. Oh, purée, on repart encore sur de l'histoire là. Aïe, 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 aïe. C'est compliqué, c'est rude, c'est lourd, c'est indigeste. Et en plus, vu qu'on a plus d'animation, ça aide pas à la compréhension. Enfin bon, bref, allez, on est reparti. Siyach est l'ancêtre fondateur du groupe dit des Quincy, le roi spirituel et la source de leur pouvoir même. Le roi spirituel a-t-il eu un enfant avant d'être emprisonné ou son pouvoir mis en lambeaux s'est-il manifesté en prenant forme humaine? Cela, je l'ignore. Mais toute cette histoire n'est-elle pas franchement comique? Ce roi spirituel que vous teniez à protéger à tout prix n'est autre que le sauveur de l'humanité piégé par mon ancêtre. Et quant à Yash, il tentait de sauver son ancêtre, l'être qu'il faut bien appeler son père, le sauver d'un million d'années de solitude pendant lesquelles la vie comme la mort lui ont été refusées. Je ne sais, entre son désir de ramener le monde à sa forme première et celui de libérer son père en le tuant, lequel était son but premier et lequel une conséquence de l'autre. Mais au final, Yatch a absorbé le corps du roi spirituel et l'a maintenant lui-même remplacé en tant que pierre angulaire de l'univers. What? What? Quoi? Pardon? Pardon? What? Donc le nouveau roi spirituel, c'est Yatch. Ok. Nos soucis, nos problèmes. Qu'en dis-tu, Kyoraku? Tu ne trouves pas cela d'une folle ironie? À ça, je me demande, ton histoire dépeint-elle la vérité ou est-ce n'importe quoi? Moi, j'ai un peu de mal à le déterminer. Et surtout, tout ça n'a rien à voir avec la situation actuelle. Cesse ces mensonges transparents à ton poste actuel, tu ne peux pas l'ignorer. Comment te croire quand tu dis que toi, tu ne connaîtrais pas les informations que Sasuke Aizen et Kisuke Urahara ont rassemblées il y a des centaines d'années? Qu'on ne me croit pas ne me dérange pas. Ce qui est certain actuellement, c'est que si l'on ne t'arrête pas, le monde des humains, la Soul Society et jusqu'au Weko Mundo sombreront dans un terrible chaos, c'est tout. Non, non, ce qui est certain, c'est que vous allez mourir ici. Oui, et au fait, il n'y a pas de justice dans votre camp, à vous autres Shinigami, et bien sûr, il n'y en a pas non plus de mon côté. Ce qui se passe ici, ce n'est qu'une avide chamaillerie entre dépendants de scélérats, rien de plus. Entre descendants de scélérats, rien de plus. S'il y a jamais eu une quelconque justice en ce monde, c'était dans le cœur de Tosun et nulle part ailleurs. Ouais.
Excusez-moi, je parle pas beaucoup. Puis je regarde autre chose à côté. Tout de même, Cézanne Pacto, tout lui est possible. Franchement, je pense quand même qu'il doit bien y avoir des limitations. Attends, Tokinada, ne me dis pas qu'il consomme ta propre vie. Oh, tu as compris aussi vite, bravo. Devrais-je dire que ce n'est pas étonnant venant de toi? C'est la raison pour laquelle les précédents chefs de clan ne voulaient pas s'en servir. Enrakoten dévore la vie de celui qui le porte. Plus je l'utilise, plus il grignote mon âme. Et ces parts de mon âme ne reviendront jamais. Alors là, je suis perplexe. Tu sacrifies jusqu'à ta propre vie sur l'autel de ton amusement. Quel sens a une vie qui m'est pas risquée pour son propre plaisir? Ma femme est morte en sacrifiant sa vie. C'est peu ou prou la même chose. Il n'y a qu'une différence, est-ce que pour le bien ou non, une différence infime de point de vue vis-à-vis du monde, rien de plus. Tu es bien silencieux, Shuei Usagi, tu n'as rien à dire. Je te fais l'honneur de parler de cette vérité qui t'est si chère, je te signale. Qu'il n'est pas drôle, ta cervelle a du mal à digérer la réalité qui t'a été assénée. Alors, en même temps, c'est tellement compliqué vos histoires, c'est devenu tellement le bordel. Je te voyais plus. Je te voyais plus perdre tes moyens, te mettre à pleurer comme si tu serais le corps. Comme si tu serrais sans vie le corps du. Le corps de Tosen. Le corps sans vie de Tosen, voilà, bon. Wow! Fatigant. C'est vraiment complexe. Mais en plus, il manque des éléments, vu que la guerre sanglante de Milan, ben, je me suis pas entièrement fait spoiler. Jadis d'un Soul Society. Quelle obscurité, l'endroit sans espace, c'est peut-être quelque chose de ce genre.
Y a-t-il quelque chose, un holo? Non, c'est autre chose. Quelque chose de différent, quelque chose de terrible. Il m'a semblé qu'il serait dangereux d'aller plus loin. Commence par contrôler ta respiration. Alors c'est ça, votre bankai, capitaine. La forme ultime de Suzumushi, Emma Koroji, c'est le nom de mon bankai. La peur existe bien en toi, par contre, je ne la sens pas encore dans ton sabre et dans tes paroles. La peur peut prendre bien des formes, la peur engendrée par le monde des ténèbres que tu as vu et connu de tous. S'il existe un être qui n'en a pas peur, s'il existe un être qui n'en a pas peur, même de façon infime, alors il ne s'agit ni d'un humain, ni d'un Shinigami, ni d'un holo. Ce ne peut être qu'un démon venu d'un endroit qui nous est totalement étranger. Un démon, vous dites? Un être qui ne connaîtrait pas la peur devient un démon. Toi comme moi, si nous nous débarrassons de notre, si nous nous débarrassions de notre peur, nous serions petit à petit d'être, nous cesserions petit à petit d'être des guerriers pour devenir des créatures dépourvues d'âme. Ne l'oublie pas. Je ne vous imagine pas devenir ainsi, capitaine. Je ne connais pas la lumière, pas plus que les couleurs qui éclaboussent le monde. Vous dites, capitaine, si un jour je les découvrais, et si face à ce monde métamorphosé, je ne voyais plus qu'espoir et plaisir et oubliais ma peur, à ce moment-là, je cesserais d'être un guerrier. La voie que nous suivons, la loi que nous suivons, notre dignité de Shinigami, et oui, même le monde que nous devons protéger, nous ne devons jamais cesser de les craindre. Parce qu'il est tout à fait possible que lorsque nous rencontrons une voie inconnue, une fierté inconnue, un monde inconnu, nous découvrions que ce sur quoi nous nous appuyions n'était pas d'une solidité immuable. Ouais, enfin ça c'est jamais le cas, ça. Mais bon. Allez, je... Excusez-moi, mais... Je coupe une minute. Enfin, le micro. Voilà, excusez-moi. Oula! Attendez, ça grésille. J'entends que ça grésille. Voilà. Voilà, excusez-moi. Je fais plusieurs choses en même temps, c'est pour ça, comme toujours. Je suis sur plusieurs PC en même temps, en fait. C'est pour ça, je...
Retour au présent dans la vallée des cris. Je ne connais pas la peur. Je ne connaissais pas la peur, je n'avais rien compris. Que dis-tu? J'étais persuadé en permanence d'être dans le vrai. C'est pour cela que j'ai défié le capitaine Tossen, parce que j'étais déterminé à lui ouvrir les yeux. Tu n'as pas du tout changé. Il n'y a pas une once de peur dans tes propos. C'est peut-être moi qui ai tort. C'est peut-être ma vision de la justice et le monde auquel j'appartiens qui sont dans l'erreur. Je ne l'avais jamais, ne serait-ce qu'envisagé. J'étais persuadé que le capitaine Tossen avait seulement été manipulé par Aizen. Celui qui ne craint pas le sabre qui l'abat n'a pas les qualités requises pour se battre. La justice des Shinigami, les 13 divisions, ne m'inspirait pas la moindre peur. Parce que je croyais en la justice des Shinigami, pour cette raison de pacotille. Alors que le capitaine Tossen, lui, a vécu toute sa vie avec cette peur au ventre. Si j'ai vraiment peur de me battre, alors pourquoi n'ai-je pas fait l'effort d'écouter ce que me disait le capitaine Tossen? Lui ouvrir les yeux, quelle bêtise j'ai dite. Ah d'accord, tu regrettes. Tu regrettes d'avoir frappé en jouant fièrement les justiciers, sans même savoir ce qui habitait l'âme de Kaname Tosen. Bon, et alors, que vas-tu faire? Prier pour que le temps inverse son cours? Revenir au milieu de votre combat mortel et les larmes aux yeux rejoindre Tosen sous la bannière d'Aizen? Malgré tout cela, je n'ai aucune intention de dire que le capitaine Tosen avait raison, même en supposant que tout ce que tu as dit est vrai, je lui barrerai quand même la route. Ah oui, dans ce cas, permets-moi de te rappeler les événements. Qu'as-tu réussi à faire à ce moment-là? L'esprit de justice qui habitait Tosen était pur, lui. En comparaison, la tienne ne fait-elle pas figure de justice superficielle? Tout juste copié dans un manuel scolaire. Suzumushi Nikishi Beniko. Quoi? Je t'interdis de parler de justice. Les imbéciles que la mort même n'effraie pas n'ont aucun droit de parler du capitaine Tosen. D'accord, je vois, tes attaques ont bien plus de mordant. Voilà qui est amusant. Continue-t-il encore à augmenter sa vitesse? Maître Tokinada. Impossible. Je l'ai eu. Est-ce que j'ai vraiment abattu mon sabre au nom de la justice? Est-ce que j'étais simplement incapable d'accepter ce type? Et ce qu'il dit? Pas le temps de réfléchir, il faut encore s'occuper de Hora et de Ikone. Ce que tu ressens n'est pas de la haine. Ce n'est que l'émotion à propos de la mort de Kaname Tosen et des traces qu'il laisse derrière lui, rien de plus. Qui a dit ça? Retiens bien ce que je vais te dire. Même avec la plus grande détermination. Et attention, Shuhei, la fille est allée vers toi. Aura. Ah, il a commencé à ouvrir les yeux. Elle, je ne peux pas détecter sa présence spirituelle. Où est-elle? De simples émotions ne peuvent abattre quelqu'un de fort.
Vous faites des choses horribles, maître Tokinada. De toute façon, ni les coups de sabre, ni les cellos n'ont d'effet sur toi, alors arrête de te plaindre, parce que je t'ai utilisé comme leurre. Ah, je vous jure, je crains ceux qui ont des alliés aussi simplés. Tu pensais que c'était moi, mais en réalité, celle que tu as frappée, c'était Aura. Avec quelqu'un comme Aizen, le piège aurait tout de suite été éventé. Et puis, quelqu'un d'aussi prudent que Tosun n'aurait jamais crié un avertissement qui te ferait ouvrir les yeux ainsi. Bien, si Ikone est capable de vaincre ce Kenpachi par lui-même, pas de souci, mais je vais tout de même commencer par tuer tous ceux qui sont ici. Ou alors, vais-je épargner le journaliste afin qu'il serve de témoin? Tiens, au fait, Aura et les Fullbringers dont je t'avais chargé, Kugo Ginjo, étaient venus avec eux, je ne me trompe pas. Vous connaissant, je me disais que vous étiez déjà au courant. D'après le rapport des insectes espions, il y a eu lutte au sein de leur équipe. Comment t'y es-tu prise? C'est grâce au talent de Monsieur le Président Yukio, après que j'ai amplifié ses pouvoirs. C'est simple, en fait, j'ai installé un virus dans mon passé qui a permis de pirater Tsukishima quand il a inséré son marque-page et de le retourner. Ensuite, Tsukishima a injecté le virus dans le passé des deux autres, et voilà. Je vois, c'était un candidat au poste de roi spirituel proche d'Ichigo Kurosaki. Il pourrait être utile en tant que supplément. Le pouvoir permettant de soutenir les trois mondes. Au cas où, je vais tout de même leur montrer le Shikai de Kyokansugetsu. À eux aussi, cela ne te dérange pas. Pas du tout, allez-y. Tiens, il ne s'active pas. Ah tiens, plus solide que je l'imaginais. Ma parole, même Era Kyoken ne parvient à répliquer que l'aspect extérieur de Zangetsu. Le sabre, il est vrai très particulier, de naissance. Tu auras beau avoir l'original, si c'est toi qui le manies, c'est moi qui gagne.
Vous souvenez-vous de la manière dont on annule le pouvoir de Kyokatsugetsu? On peut annuler les effets de Kyokatsugetsu si on touche la lame lors de son activation. Les tentacules bloquaient l'activation. Quels tentacules? Cependant, pourquoi cette attaque contre son propre camp? Il vaut mieux ne pas laisser notre garde. Cela aussi, c'est peut-être une illusion causée par l'hypnose absolue. Et même si ce n'est pas un mirage, il faut peut-être mieux ne pas prendre ce retournement de situation avec trop d'optimisme. C'est le problème là, on a une histoire de tentacule qui a touché les lames de pour les empêcher. Mais on voit rien, c'est ça le problème, c'est que c'est pas illustré du tout. Donc j'ai pas compris comment ils avaient bloqué le pouvoir de Kakensugetsu quoi. Alors que oui, il faut être en contact avec la lame pour ne pas être touché par les effets de Kakensugetsu. Ça on a compris. Mais c'est quoi cette histoire de tentacule là? Elle sort d'où? Enfin voilà quoi. Là, je suis surpris, je n'imaginais pas que tu agirais de la sorte. Ah oui, c'est moi qui suis surprise, vous dites toujours que vous n'accordez aucune confiance à personne, Maître Tokinada. Que dis-tu? J'avais compris que tu me trahirais depuis le début. Bon, je m'en doutais. Ça aussi, hein, ça c'était gros comme une maison que Aura allait au bout d'un moment se retourner contre Tokinada, c'était sûr, hein, ça je m'en doutais. Ce qui me surprend, c'est le moment que tu as choisi pour me trahir. Je pensais que tu te révélerais un peu plus tôt ou plus tard, c'est tout. Qu'y a-t-il? Pas possible. Surprise, pourquoi ne peux-tu pas te changer en fumée et t'enfuir? Pourquoi ta pression spirituelle fond-elle ainsi comme neige au soleil? D'accord. Vu la nature de ton pouvoir, tu peux être en contact avec mon Eran Koken partout dans cet espace. Je t'avais pourtant prévenu, non, que le Seretei était un repère grouillant d'ennemis de toutes sortes, qui était tout à fait possible qu'un simple Shinigami y possède un Zanpakuto particulier. Que tu aurais le plus grand mal à affronter certainement. Et je pense qu'il utilise le Senpakuto de Asa. De. Asagawa. Le. Ah zut! Du 5e siège de la 11e division, celui qui a le pouvoir d'absorber l'énergie spirituelle de l'ennemi. Ah, vous voyez qui là? Avec les plumes au niveau des yeux, là, tout ça là. Grand mal à affronter. Ah voilà, je m'en doutais. C'est Yumichika, voilà, chercher son prénom parce que c'est Awa, c'est Gawa, son nom de famille. Je ne peux pas me tromper. Il y a sans doute rien à l'intérieur, mais c'est la même aura. Ce maudit Tokinada attaque la fille avec le pouvoir de Rurinrui Kojaku, c'est ça. Et là, pour le coup, c'est plutôt fort, parce que si le sabre, il se nourrit de l'énergie spirituelle du porteur, mais que ce pouvoir-là, bah, sert à voler l'énergie des autres, et ben, résultat, il a un pouvoir quasiment illimité, Tsukishima, quoi. Grâce à ce Zanpakuto-là, quoi.
Ah, je te jure, si tu tenais à me trahir alors que j'aurais dû le faire dès le début, alors que tu aurais dû le faire dès le début et rejoindre les rangs de Kyoraku et ses acolytes, ou alors ayant vu Kyokaku et compagnie tomber sous l'emprise de Kyokasugetsu, je pensais que tu me trahirais quand tout serait fini, une fois que le pouvoir de Ikone serait plus proche de l'aboutissement. Comment savez-vous que j'allais vous trahir? Comment, mais rien de plus naturel, enfin, à partir du moment où tu as fait naître Ikone, tu as connu une émotion. Faut-il parler d'instinct maternel, ou en tout cas, tu as été habité par une émotion qui t'était jusque-là étrangère. Et donc tout s'est passé comme prévu. Je me disais qu'il serait délectable de cultiver une émotion dans le désert sans relief de ton cœur pour ensuite la piétiner, mais... Oui, je dois dire que tu fais une tête qui mérite d'être vue. Bah, si même après avoir élevé Ikone, il n'y a aucune émotion, alors tant pis. Mais qu'il est exaltant de voir un autre être grandir comme on le désire. Je peux presque comprendre ce que ressent Aizen ou Yatch après avoir observé Ichigo Kurosaki si longtemps. Ton allié est à terre, mais toi, tu ne marques même pas de temps d'arrêt. Ah, après tout, c'est une femme que tu as rencontrée pour la première fois aujourd'hui, alors c'est un peu tôt pour nouer des liens. Oui, tu es drôlement exposé, dis donc. Ça alors, il ne s'active pas. Aura, tu le contiens toujours? Pourquoi moi maintiens-tu le contact? Si tu continues, tu périras d'une mort dénuée de sens, c'est tout. Du sens? Oh, il y en a un. Que veux-tu dire? C'est vraiment lourd. C'est vraiment très très lourd. En fait, c'est presque indigeste les textes de Can't Fear You, One World, quoi. Allez, allez, ma souris là. Ah là, elle est là. Je dois être un peu dérangé. Ce n'est ni pour vous, Maître Tokinada, qui m'avez pourtant fait l'honneur de vous pencher sur moi, ni pour les 700 000 fidèles à qui les pauvres croient en moi. Vous êtes Mademoiselle Aura, n'est-ce pas? Maître Tokinada m'a dit que vous étiez un peu comme ma mère. Je ne sais pas très bien ce qu'est une mère, mais je suis ravi de faire votre connaissance. C'est pour un simple enfant qui ne se préoccupe même pas de moi que je choisis de tout mettre dans la balance.
Intéressant. Dans ce cas, voyons si l'être que tu tiens tant à protéger au prix même de ta vie te tuerait de sang-froid sans hésitation ni émotion. Quelle tête ferais-tu, je me demande? Oh là là, je vais le lui demander tout de suite. Ordonner à Ikoné de te tuer. Je te laisserai pas faire. Ça alors, tu maîtrises à ce point ton pouvoir de holo, vraiment? Tu as ce qu'il faut pour être candidat au poste de roi spirituel? Du coup, veux-tu nous tuer, moi et Ikone, et t'emparer du trône? Moi, roi spirituel, c'est un trône qui ne vaut pas grand-chose, alors. Non, c'est faux, connais-tu le processus qui conduit à la naissance d'un Fullbringer? Oh, je peux essayer de deviner un fragment du roi spirituel, pas vrai? Absorbé par un Shinigami, il lui donne un pouvoir comme celui de ce fameux seigneur Mimiyagi. S'il fusionne avec un humain, il devient une graine de Fullbringer. Une pression spirituelle unique se mêle à l'essence de la mère qui le porte. Cela attire un holo, il passe à l'attaque et on obtient un Fullbringer tout chaud. Si tu as compris tout cela, que dis-tu de ça? Toi qui es à la fois un Shinigami et un Fullbringer et possède aussi un pouvoir de holo, sais-tu que si tu deviens roi spirituel, tu pourras détruire et remodeler l'univers à ta guise? M'intéresse pas, on renversera le monde à notre façon. Dans ce cas, dans quel but aides-tu Aura par vengeance? Pourtant, tu sais, ce n'est pas moi qui ai ordonné la mort de tes anciens camarades, ce sont les gens de la branche principale de ma famille. Ça non plus, ça m'intéresse pas. Que je sache qui l'a fait ou non, ça ne change rien au fait que les Shinigami sont mes ennemis. Non, je n'ai qu'une raison de t'en vouloir. Si Okitake n'a pas su la vérité, c'est à cause de tes manœuvres. C'est Aura qui t'a raconté cela. Je l'avais pourtant mise sous surveillance avec les insectes. Comment a-t-elle fait pour partager ces informations? Et puis, tu n'envisages pas qu'elle t'ait menti. Ne compte pas sur moi pour t'expliquer nos trucs. Tu avais encore des atouts dans ta manche. Voyons, quel sera mon coup suivant? Ah tiens, la pression spirituelle d'Aura a presque disparu. La laisser mourir d'épuisement, ça manque d'intérêt. Ikone, commence par Aura, commence par là. C'est pas vrai. Mais je pensais qu'il connaît, il était aux prises avec Kenpachi. Excusez-moi. Hop. J'avais pourtant activé l'hypnose absolue sur toi. En fait, j'avais prévu de faire ça au moment où Aizen montrerait son Shikai à Ichigo. Sauf que cette âne n'a pas employé Kyoka Sugetsu contre Ichigo. Merci bien. Peut-être que justement Aizen se méfiait d'un tour de ce genre. En tout cas, je suis soulagé que tu aies saisi mon idée, capitaine Hirako. Parce qu'après tout, je n'en avais même pas parlé au premier intéressé, le capitaine Isagi. Une sacrée surprise pour Shuei. C'est sûr, quand l'avant, l'arrière, la droite et la gauche, le haut et le bas se retrouvent sans dessus-dessous, sans crier gare, ça surprend.
Note qu'un renard comme Aizen aurait tout de suite compris le piège. Réjouissons-nous que toi, tu aies l'esprit simple. Désolé, mon vieux. Okyo a chipé ton Zanpakuto et l'a caché. On se permet de regarder ailleurs alors qu'on devrait se battre. Quelle crânerie! Alors en fait, Shuhei Isagi n'a pas vu l'activation de l'hypnose absolue. Alors là, contrer Kyukatsugetsu avec un tour pareil, non, franchement. Drôlement solide, toujours en vie. Tu espères t'échapper au point où nous en sommes. Laisse-toi passer les menottes sagement, ça vaut mieux pour toi. Arrête de dire n'importe quoi, Kyoraku, si tu dois vivre dans l'ennui, si je dois vivre dans l'ennui enfermé jusqu'à ma mort, alors je préfère mourir tout de suite. Bon sang, il s'est échappé, où se cache-t-il? Bien, bien, d'abord, c'est la première fois qu'on me pousse aussi loin dans mes retranchements. Dans ces conditions, qu'il en soit ainsi, je vais mettre un terme à ce jeu. Simplement, je vais vous demander de mourir ici. Kisuke. Bonjour, bonjour. Je crois que c'est la première fois que nous nous croisons, monsieur Tsuna. Kisuke Urahara. Bien sûr, comme j'ai maintes fois écrasé des insectes espions qui bourdonnaient autour de moi, autour de mon magasin. Vous êtes comme une vieille connaissance, maître du bureau des images. Cette voix, Urahara. Mais il avait été capturé. Tu plaisantes, je l'ai simplement invité à venir avec moi. Et quand je lui ai expliqué la situation, il a simplement accepté. Attends un peu, vous n'avez quand même pas eu le loisir d'avoir ce genre de discussion l'autre fois. On peut discuter autrement qu'avec la parole. Tu as entendu parler du code Morse? La conversation entre Kisuke Urahara et moi a débuté dès que je me suis retrouvé face à vous. Note que je m'étais dit qu'on risquait d'être découvert si on s'en tenait à du morse normal, alors j'ai crypté mes messages. Quand il a non seulement compris en un instant ce que je faisais, mais aussi répondu en utilisant un code secret propre à ma société, j'avoue que j'ai eu un instant de surprise. Franchement, il n'est pas normal ce type. Toi aussi, tu comptes te mettre sur mon chemin, Kisuke Urahara. Je te retourne la question, pourquoi as-tu pensé que je ne le ferais pas? J'ai fabriqué Ikone afin d'effectuer une libération totale de l'être que l'on nomme roi spirituel. Qu'y a-t-il de mal à sacrifier quelque chose que l'on a créé uniquement pour cela?
Ça ne change rien enfin, roi spirituel ou iconé, sacrifier une âme douée d'une volonté propre et s'en servir pour soutenir le monde, ça n'a rien de convenable. Même y substituer, comme c'est le cas maintenant, les restes de Yatch, je ne trouve pas que ce soit l'idéal, ni même que ce soit la meilleure solution. Sale hypocrite, tu prétends que tu n'avais pas le même but que moi. Ce n'est pas pour cela que tu as construit les pantins qui te servent d'animaux domestiques dans ta misérable planque. Quoi? Il parle de Jinta et Dururu là? Si la situation l'avait imposé, tu leur aurais fourré chaque type d'âme dans le crâne. En compagnie du Hogyoku, attendez. Si la situation l'avait imposé, tu leur aurais fourré chaque type d'âme dans le crâne en compagnie du Hogyoku et les aurais utilisés pour remplacer le roi spirituel. Si c'est ce qui t'a semblé voir via les insectes espions, je me permets de te dire ceci. Tu as des yeux, mais tu ne vois point. Et en ce qui concerne le choix des mots, je te mets un zéro pointé. Tu comptes continuer ainsi à tourner le dos à tes vices jusqu'au bout. Je n'ai pas l'intention de prétendre que je suis un saint, mais cela mis à part, que dirais-tu d'abandonner et de te rendre? Que ton dernier atout, Ikone, gagne ou perde contre Zaraki? Je ne pense pas qu'il soit de taille à faire face à tous ceux qui restent ici. Ce château n'est plus qu'une relique volante, bonne pour la poubelle maintenant. Ah oui, une relique volante, bonne pour la poubelle. Tu as suffisamment ri, Kisuke Urahara. Donc, Jinta et Ururu sont aussi des homonculus? Créé par Kisuke là par contre. On n'a toujours pas hein, l'origine story. Enfin moi je connais toujours pas l'origine story de Jinta et Uru. Je sais pas s'il s'est révélé dans la guerre sanglante de Milan ou pas. Mais... oui, on est à 50 minutes. On va faire ça. Attendez. Ouais, il restera un plateau après. Écoutez, je vais couper là pour cet épisode. On est à 50 minutes. Et on se retrouvera pour la troisième partie. Pour vous la semaine prochaine. Pour moi dans un instant. À plus tard.